Alors, quelle est en quelques mots la méthode d'étude du texte en philosophie? Bien, vous devez d'abord dire quelle est la thèse de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit. Vous devez dire ensuite comment il le dit, pourquoi il le dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'il argumente sa thèse, quelle est sa stratégie d'argumentation. Et puis enfin, vous devez dire comment on peut discuter sa thèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle tient le coup par rapport au problème philosophique, est-ce qu'on ne peut pas apporter des critiques, des remarques d'après les éléments du cours et d'après votre propre réflexion. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il le fait, comment il le dit, et ensuite, comment on peut discuter ce qu'il dit.